Là, l'absence, celle qui est sur nos projets, hein, ce sera bien la semaine prochaine, je vais envoyer. Ouais, mais je pense qu'ils enregistrent le mois de 26. Ouais, c'est ça. Plus, c'est ça. Tu dis, soit avant, soit le lendemain. Ah, ça va bien. Les amis, en pleine préparation du Weekend Spark, vous le savez, le 27 mars, c'est là, 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 on sera à Montréal, ici, chez moi, j'ai à Montréal, avec un temps aujourd'hui. Et le 17 avril, nous serons à Paris, avec un temps aujourd'hui juste unbelievable. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sur la Côte d'Azur. Ici à Montréal, regardez-moi ça, c'est pas la Côte d'Azur ça, en France, hein? On se croirait même en Jamaïque, à Cuba, dans le sud ici, génial, au Mexique. Bonjour, bonjour à tous les amis, si vous êtes en direct, soyez les bienvenus, vous êtes les bienvenus ici chez Globe. Je prends quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter deux nouvelles venues chez Globe. Alors on va commencer par la nouvelle venue qui est à nos côtés et que vous aurez de temps en temps au téléphone. Elle s'appelle Géraldine. Bonjour à tous. Alors ça, c'est ma GG. Et donc, Géraldine, présente-toi, tu arrives d'où? De Lyon. Ah, capitale des Gaules. Paraît-il. Capitale des Gaules, c'est génial. Et pour quelle raison tu as rejoint Globe? Eh bien, je suis là pour assurer votre bonheur. Oh, oui, c'est bien parce que finalement, on dit aujourd'hui au service à la clientèle notamment et au marketing, tous les employés de Globe, en fait, on a un slogan qui est « Notre travail, changer des vies ». Et finalement, vous ne voyez probablement pas toutes les personnes qui travaillent pour vous en permanence. Et donc, vous aviez Géraldine qui est ici et qui a décidé de venir vivre en plus au Québec, à Montréal. Pour quelle raison le Québec, le Canada, Montréal? C'est un pays merveilleux. C'est génial. Bon, donc on a notre Géraldine. Anne-Sophie, vous la connaissez aussi. Un petit bonjour, Anne-Sophie. Bonjour, mais c'est une ancienne maintenant. Oh là là, c'est une vieille. Et alors, attendez, c'est la dernière petite venue. Et toute petite. Vous savez, dans le monde universitaire, on appelle ça des bleus. Vous savez, la rentrée scolaire, c'est des bleus. Et alors, donc, même si elle n'a pas un pull-over bleu aujourd'hui, c'est la petite dernière chez Globe de notre belle famille. Elle s'appelle Chloé. Elle a commencé son travail. Soyez gentils avec elle. Elle a commencé chez Globe vendredi dernier, ce vendredi. Donc, c'est sa deuxième journée aujourd'hui. Attention, 1, 2, 3, voici Chloé. Bonjour. Alors, Chloé, tu arrives d'où, toi? J'arrive d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et alors, donc, tu as décidé de te dire, tiens, il fait trop chaud, trop beau, je vais venir dans le Exactement. Froid. Exactement. J'avais besoin d'un petit coup de frais. Le Canada. Et qu'est-ce que tu vas faire chez Globe alors? Tu vas porter comment ton bonheur, et toi? Eh bien, moi aujourd'hui, je vais vous accompagner sur tous les réseaux sociaux et donc diffuser notre bonheur à 110%. Et voilà, les amis! Donc aujourd'hui, je travaille notamment, c'est chouette de vous avoir. Je travaille sur quoi aujourd'hui? Attention, ladies and gentlemen, j'ai une annonce à vous faire aussi. Vous savez que j'ai toujours des annonces à vous faire parce qu'on fait tellement de choses chez Globe. Il y a des gens qui me disent, mais comment vous faites autant de choses? Mais c'est ce que je vais vous apprendre, notamment en juin, pour les entrepreneurs uniquement. Ça s'appelle Business 110, le bootcamp. Écoutez-moi bien. En ce moment, vous êtes de plus en plus dans le monde à nous poser des questions sur l'état sanitaire. C'est en ce moment, hein, l'état sanitaire, je parle du coronavirus. Il y a quelques mois, c'était la phobie liée au feu. Les feux de forêt, parce qu'avec l'Australie, le drame qu'il y a eu, et tout le monde ne parlait que de ça. Avant, le H1N1 en 2011, avant cela, la crise financière en 2008, on a eu aussi le bonheur d'avoir des tsunamis mortels dans le monde entier qui fait que les gens avaient une phobie de la mer et de la baignade. Waouh! Donc, quand je dis le bonheur, vous avez compris que c'est c'est une plaisanterie. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de décès dans le monde sur plein de catastrophes. Et ça, c'est très triste, évidemment. Nous sommes dans une période en ce moment, je reçois beaucoup de messages dans les médias sociaux à droite et à gauche et vous me dites, Franck, comment est-ce qu'on peut réagir? Si vous ne me connaissez pas, ce n'est pas à moi de vous dire comment réagir. Faites comme il vous plaît et faites au mieux. Faites au mieux, d'accord? En revanche, si vous me demandez comment aujourd'hui on peut avoir plus de sécurité dans ce monde insécure, écoutez-moi bien, il y a deux choses. Combien? Deux choses. Il y a deux choses que vous devez mettre en place. Un, votre psychologie. Renforcer votre psychologie. Ce n'est pas l'événement qui se produit dans votre vie qui va changer votre vie, dans l'instant ou à moyen terme.
Et notre vie est ponctuée par des milliards de décisions, tout au long d'une vie. Si vous y pensez aujourd'hui, vous êtes le fruit des décisions d'il y a une minute d'être en direct avec moi. Vous êtes le fruit d'une décision d'il y a peut-être 20 ans d'habiter là où vous êtes. Vous êtes le fruit de vos décisions. Ne sous-estimez pas chacune de vos décisions. Et les décisions que vous devez prendre en cette période, c'est principalement de penser à votre santé mentale. D'accord ? La deuxième des choses, en ce moment, et la deuxième des choses, si vous ne me connaissez pas, ne m'écoutez pas. Deuxième point. Vous devez augmenter vos revenus en ce moment. Dans une entreprise ou à votre compte, mais augmenter vos revenus en ce moment. Notamment, alors nous ici au Canada, désolé les Européens, mais c'est vrai que le Canada, il y a la situation en Iran et en Italie ou en Chine, où l'état sanitaire d'ailleurs n'a rien à voir avec l'état sanitaire de pays comme la Suisse, la France. Je parle en termes de chercheurs. Tu sais qu'en en Italie, tu as des chercheurs qui sont payés 1 300 €. Tu m'étonnes que l'Italie a des problèmes sanitaires en ce moment. La France, les meilleurs chercheurs et professeurs au monde, le Canada et la Suisse, et puis en Belgique aussi, mais la France et le Canada, les meilleurs chercheurs au monde, et aussi aux États-Unis. Donc, nous au Canada, on n'a pas, je voulais vous dire la vérité, on n'a pas cette pression liée au coronavirus, puisqu'on n'est pas à ce jour touché, comme c'est le cas notamment en Italie. Donc, c'est avec ce recul que je vous dis aujourd'hui, notamment si vous habitez en Europe, écoutez-moi bien, si vous habitez en Europe, augmentez vos revenus. Vous avez besoin d'augmenter votre sécurité. Si vous avez besoin de quitter le pays, le besoin de créer une entreprise, le besoin de services médicaux, vous avez le besoin de manger un peu mieux pour augmenter votre corps, votre énergie de corps, besoin d'acheter des suppléments alimentaires, besoin de payer des études à vos enfants, besoin de changer de lieu, de ville, vous avez besoin d'argent. Donc ne dépensez pas dans cette période. Tout l'argent que vous sortez doit vous ramener de l'argent. Vous comprenez ? Tout l'argent que vous placez doit vous ramener de l'argent. Tout l'argent que vous sortez de votre portefeuille doit vous ramener de l'argent. Ça, c'est mon portefeuille. Je sors de l'argent. Ça me ramène de l'argent ? Non. Terminé. Détendez-vous. Lisez. Prenez des bonnes douches, des bonnes marches dans votre parc, dans le quartier. Apprenez à réduire le divertissement toxique. Je veux dire du divertissement qui vous coûte de l'argent. Dans cette période-là, écoutez-moi bien en ce moment, en bourse, vous êtes du grand public. Donc ça, je fais des masterminds avec mes étudiants. La bourse n'a pas encore cassé les seuils de protection. Donc je dirais pas aujourd'hui que c'est le moment d'investir, mais je dirais pas que je suis pas sur la réserve. La bourse, quand tu vois l'or qui chute comme ça, les compagnies aériennes, le groupe Accor, tout ça, c'est un peu normal, c'est très psychologique. En revanche, quand tu vois l'or qui commence à chuter comme ça, ou le pétrole, ça commence, on n'a pas cassé les seuils de protection, mais je ne serai ni jovial, tout va bien, ni pessimiste, je suis sur la réserve. Donc le conseil que je vous donne, écoutez-moi bien, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises, 4, et je place et j'ai des actions dans beaucoup d'autres. Ça fait plus de 30 ans que je suis en entrepreneuriat, 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Je connais un tout petit peu. Des crises, j'en ai passé et repassé. 96% des entreprises ferment leurs portes en 10 ans. Tu comprends pourquoi ? Elles n'arrivent plus à payer qui que ce soit. Nous, on embauche en ce moment. Comment j'ai fait pour être le numéro 1 dans la francophonie ? Je ne suis pas numéro 2, je suis numéro 1. Il n'y a personne dans la francophonie qui remplit le palais des congrès à Paris porte-maillot dans mon activité. Personne. Ça sera la moitié de la salle et encore, ils n'arriveront pas. Mais ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que, juste pour vous dire que notre marketing, notre gestion d'entreprise, et en ce moment, on embauche des gens. Pourquoi ? Parce que pour Globe, ça va très bien. Comment j'arrive à ce niveau de sécurité alors que des entreprises ferment les portes ou commencent à licencier dans cette période de crise? Comment on fait? Comment on fait pour être numéro un dans notre marché? Eh bien, j'ai appris une compétence depuis très longtemps. 1, la psychologie. 2, faites en sorte, et c'est l'outil dont je vais vous parler maintenant, parce que je vous offre une conférence ce mercredi. Vous ne la manquez pas ce mercredi. Ne manquez pas ce mercredi-là. Ce mercredi, vous ne le manquez pas. Vous devez augmenter vos revenus. Quelle est la façon d'augmenter vos revenus ? 10 de plus par jour.
100 de plus par jour, ou peut-être 200 de plus par jour, j'en sais rien, augmentez vos revenus. Tout ce qui sort de votre argent, mettez-le dans un produit qui va vous ramener de l'argent. Et la compétence que j'ai apprise il y a bien longtemps, la compétence que j'ai apprise et qui me permet aujourd'hui de créer des emplois dans de très bonnes conditions, avec des gens qui font un métier, qui sont passionnés par ce qu'on leur offre, parce que chez nous, c'est marrant, je le disais à Chloé tout à l'heure, il n'y a pas de micromanagement chez nous. Il y a zéro micromanagement chez eux. Chaque collaborateur est micro. Micro. Détail. Intrapreneurship. Chez Globe, il y a une règle. C'est très simple. Quand vous arrivez devant votre collègue ou devant un chef de service et que vous dites « j'ai un problème », ça doit être suivi d'une chose qui est importante chez nous. J'ai un problème et j'ai pensé à deux solutions. J'ai ça comme problème et j'ai pensé à ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et ça, ça développe considérablement le leadership. Je vous dirai comment avoir des équipes autonomes et développer l'entrepreneurship créatif dans vos entreprises en juin prochain. Et lors du Weekend Spark, le 17 avril à Paris et le 27 mars à Montréal, vous allez voir un petit peu de quelle façon vous aurez la possibilité d'augmenter votre leadership. Mais beaucoup de gens en ce moment m'écoutent, sont un peu dans la terreur, dans la crainte. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Je suis très à l'aise là-dessus. Écoutez-moi bien, la façon la plus rapide d'augmenter vos revenus, la façon la plus rapide, rapidement d'augmenter vos revenus, sans trop investir, en tout cas de l'argent, la méthode la plus rapide et qui m'a sauvé la vie, c'est la vente. Vous devez apprendre les meilleures stratégies de marketing et de vente. La meilleure façon d'augmenter tout de suite ses revenus, c'est de prendre un produit, un service ou vous-même, et de dire « je le vends et je gagne 2 euros de dollars et 2 euros de dollars et 2 euros de dollars ». Vous comprenez ce que je veux dire ? Je parle de différentes devises parce que vous êtes beaucoup en devises européennes, francs, suisses et puis canadiens et dollars américains aussi à nous écouter. Donc dollars, euros, ça va bien. Apprenez à vendre. Voilà pourquoi je fais exceptionnellement dans cette période de difficulté pour vous aider. Je vais vous dévoiler 25 ans de mes stratégies en 90 minutes. J'ai préparé pour vous une formation uniquement en direct ce mercredi. C'est 13h heure de Montréal, 18h heure de Paris. 13h heure de Montréal, 18h heure de Paris. Vous êtes in ou out. Mais c'est 90 minutes, écoutez-moi bien. Je vais vous apprendre comment vendre. Il y a des gens qui me disent, mais moi je suis pas vendeur. Moi je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas freelance, infopreneur. Moi je suis employé. Mais il n'y a pas une personne dans cette salle, ici autour de moi, qui n'est pas vendeuse. Tout le monde est un vendeur. On est tous des vendeurs. D'ailleurs, le département marketing et vente, c'est dans tous les départements d'une entreprise. Même si vous êtes employé. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux recrues. Là, je vous ai montré deux collaboratrices qui font partie de notre famille maintenant. Mais il y avait beaucoup de recrues, énormément. Qu'est-ce qui se passait ? Elles étaient en compétition. Qu'est-ce qu'elles ont dû faire ? Se vendre. Vendre leur parcours, leur expertise, leur attitude, leur CV, se vendre. Bon, des fois, on en rigole ensemble, des fois, il y a des CV qui ressemblent à rien. C'est pour ça que je ne les regarde même pas, les CV. Parce qu'ils ont changé la Terre, le gars, il a 12 ans et puis il a créé la NASA, tu vois. Des fois, c'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça que les CV, pour moi, ne sont pas importants. Pour moi, c'est l'expérience et l'attitude. Donc, si vous êtes un employé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux personnes pour le même poste. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Si vous êtes un employé en recrutement, qu'est-ce qu'il va falloir ? Vous vendre. Il va falloir savoir vous vendre vous-même. Vous êtes toujours en train de vous vendre, même dans votre vie privée. Tout ce que vous avez autour de vous, même si on vous l'a offert, est le fruit d'une vente. Quand vous voulez un produit et qu'il est en rupture de stock, est-ce que vous êtes content ? Non, vous êtes vraiment en colère. Et vous avez envie d'acheter, et d'acheter, et d'acheter. Donc, comment vendre ou plutôt se faire acheter, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça ce mercredi. La vente belle, éthique, riche, formidable et utile, ça existe. Mais vous ne savez pas vous vendre. Et c'est la base. Et je forme des vendeurs chaque année, plus de 70 000 dans le programme 110 l'an dernier, qui sont des vendeurs experts, entre guillemets. Et ils passent après moi, ils disent « mais je le savais pas ». Donc, je suis un expert en psychologie leadership et la vente va vous aider. La vente éthique, conviviale, riche, empathique, belle, va vous sauver la vie. Votre carrière, si vous êtes un employé,
avec vos clients, vos camarades de travail, faire passer vos projets. Et deux, si vous êtes freelance, infopreneur, entrepreneur, si vous gagnez 100 000, je vais vous aider à en gagner 1 million, 1 million, 10 millions. Croyez-moi, et vous gagnez zéro, je vais vous aider à amorcer. Sans rien, on peut vendre. Savoir se vendre éthiquement, avec bienveillance, c'est ça la clé en ce moment. On est dans une période d'incertitude, vous êtes d'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le coronavirus se transmet à 1,5, 3 personnes. La grippe, c'est une personne. Le coronavirus est 15 fois plus mortel que la grippe. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est la vérité. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as 14 fois plus, non, plus que ça, 20 fois plus de gens qui meurent d'un cancer chaque année dans votre pays. Autant qui, ou un tout petit peu moins, qui meurent d'un arrêt cardiaque. Le coronavirus tue quasiment autant de gens qui se font piquer par un moustique chaque année. Donc, oui, on voit les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Mais c'est le moment maintenant de mettre de l'argent de côté. On ne sait pas ce que va donner la situation. Donc, mettez plus que jamais de l'argent de côté, mais augmentez vos revenus, vos flux d'argent. Et c'est pour vous aider que ce mercredi, pendant 90 minutes, plus si affinité, pour un investissement qui est minuscule. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, quand je mets de l'argent dans une formation, est-ce que ça me ramène de l'argent ou pas? Quand je mets cet argent dans un ciné, dans un resto, est-ce que ça me ramène de l'argent ou pas? En ce moment, le choix, c'est à vous de le faire. Sortez de l'argent de votre portefeuille qui va vous ramener de l'argent. Et vous savez que j'ai un franc-parler parce que d'abord, je n'ai pas de temps à perdre et parce que je crois que vous n'avez pas non plus de temps à perdre vous aussi. Vous connaissez mon honnêteté, mon authenticité et ma marque, d'ailleurs qu'on voit ici, Franck Nicolas, elle n'a plus de preuves à faire parce que ça fait très longtemps qu'on est sur le marché et ce sont nos clients, nos étudiants gradués qui parlent le mieux de nous. Il y avait une publicité d'ailleurs qui disait « Ce sont les hommes qui en parlent le mieux ». C'était quoi cette publicité déjà ?« Ce sont les hommes qui en parlent le mieux ». Tu n'as pas de cette publicité ? Oui, c'est moi, je me souviens. C'était quoi ? C'est quoi ? Je me souviens plus. Ah, je ne me rappelle plus. Oh ! Voilà, vous êtes là ? Voilà, je ne me rappelle plus du tout. Ah, c'est pour ça que ça ne marchait plus. Attendez, bougez pas. C'est ça qui s'est un peu décollé. Voilà. Ah ben voilà. Bon, bah c'est une publicité qui disait ce sont les hommes ou les femmes qui en parlent le mieux. Ce sont nos étudiants qui en parlent le mieux. Je vais vous dire un truc. Ce mercredi, cette formation, vous l'avez pour un montant minuscule. Le lendemain, vous aurez accès à la rediffusion, mais pour le double du prix. Je veux que vous soyez présents à ce direct. Investissez ce petit montant et ce minuscule montant pour augmenter vos revenus. Alors, faites-le avec nous, si vous nous connaissez, ou ailleurs. Mais ce mercredi, 13h, heure de Montréal, 18h, heure de Paris, je vous en supplie et je vous invite à être présent. Vous êtes dans tous les pays, c'est sur Internet, accessible de votre tablette, de votre téléphone, de votre ordinateur. C'est dans les pays, dans le monde entier. Il n'y a pas de sélection parce que vous êtes dans certains pays. Il n'y a aucune sélection sur l'argent. C'est accessible à tout le monde, les amis. Je vous mets le lien, ça s'appelle « Vendre ou subir ». Soit tu vends en ce moment, soit tu vas subir le choix des autres. Donc, pour ce montant minuscule, passez le message à tout le monde et venez tous. Vous aurez un support pédagogique. Écoutez-moi bien, parce que c'est là que vous allez comprendre que c'est un cadeau. Vous allez avoir un support pédagogique de 90 pages sur les meilleures techniques de vente et approches pour vous aider à vous sortir de la galère et commencer à vendre maintenant. Ah, voilà, le parfum Darling, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. Merci, Jonathan. C'est super, les copains, vous m'aidez. Génial. Donc, 13h, heure de Montréal, 18h, heure de Paris, en direct. Si vous ne pouvez pas assister au direct, écoutez-moi bien, comme le dit Micheline, inscrivez-vous dès maintenant à cette conférence qui s'appelle « Vendre ou subir ». Tu vends ou tu subis, tu as compris ce que ça veut dire. Vous allez sur vendreousubir.com, tout attaché, vous cliquez sur le lien. Inscrivez-vous maintenant et vous recevrez la rediffusion, mais vous aurez les conditions d'avant le direct. Après le direct, ce sera trop tard, vous allez payer deux fois le prix. Avant le direct, si vous inscrivez maintenant, right now, vous allez avoir ce montant minuscule. Donc, soit vous pourrez le faire en direct, soit le revoir pendant plus de 6 mois, mais inscrivez-vous maintenant, 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 et je vous garantis ces conditions qu'on vous offre maintenant tarifaires.
Voilà, vous aurez ces conditions-là et vous pourrez, si vous n'êtes pas là en direct ce mercredi à 18h, au moins vous aurez sécurisé votre place. Je fais cela en ce moment uniquement pour vous aider. Parce que dans cette période du Weekend Spark, où j'ai tendance à m'isoler pour me préparer, j'ai un peu autre chose à faire. Mais quand on a une mission, on y va jusqu'au bout. Donc évidemment, vous avez plein de mes vidéos qui sont partout sur Internet, Facebook, etc., qui sont de l'ordre de l'inspiration, de l'énergie, et 80% c'est gratuit. Maintenant, je m'adresse à des gens très sérieux qui veulent se former. Vous aurez un support pédagogique de 90 pages. 90 pages. Et vous aurez un e-book sur les finances offertes. Et vous aurez. Donc, à vous de voir si c'est une opportunité ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai fait en direct. Mon équipe est là pour vous aider. On est un organisme de formation et de coaching numéro un au Canada. Et dans le monde, dans les événements, on est les numéro un aujourd'hui. Pour les programmes en leadership et entrepreneurship. Renseignez-vous vite, parce que c'est ce mercredi. Ensuite, le prix va doubler. Et si vous prenez maintenant, que vous assistiez en direct ou pas, vous pourrez avoir accès à la rediffusion, mais pour le même prix. Et pour ce prix que je ne peux garantir que maintenant. Je prends du temps, mon équipe a beaucoup travaillé pour vous. À vous de voir ce que vous voulez faire. Parlez de cela à tout le monde. Allez sur vendreousubir.com. 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 Subir, il n'y a pas de E à la fin. Vendreousubir.com. Vendreousubir.com. Ou cliquez sur le lien, c'est dessous. Et vite, réservez votre place. Passez le message à tout le monde. Parce que cette formation, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas donnée. Je ne veux pas la redonner de sitôt. Les conditions sont minuscules et je le fais pour des gens très engagés qui veulent se sortir en ce moment de cette situation de peur. Si vous augmentez vos revenus, la peur va disparaître. Pourquoi ? Parce que plus de revenus, plus de choix. L'argent n'apporte jamais le bonheur, mais plus de revenus, plus de choix. Plus de revenus, plus de choix. Si tu augmentes tes revenus, si je réussis le pari de te permettre d'augmenter tes revenus dans les 3 prochains mois, je t'aurai aidé. Et c'est notre mission. À bientôt.